monde, bienvenue sur ma chaîne Mes économies et défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 11. Ben, je vous tourne vendredi. Vous aurez la vidéo dans l'après-midi ou dans la en fin de matinée. Là, il est quelle heure? Il est 10h. Oui, vous l'aurez, je pense, en fin de matinée. J'essaierai de la faire tout de suite. J'espère que votre semaine vous s'est bien passée. Nous, ça a été un peu la course. On a fait les travaux à la maison. Ceux qui ont Instagram, ils ont vu mon salon. On a fait le salon et hier, j'ai fait mon entrée. Ça fait un petit coin, une espèce de petit couloir, mon entrée. Du coup, j'ai fait l'entrée et on verra ce qu'on fait. Là, on va s'arrêter pour le week-end et on verra ce qu'on fait début de semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est fou. Je suis désolée, je ne suis pas trop sur les réseaux, Instagram, j'ai pas mal de messages en retard, j'ai pas mal de choses à envoyer. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, alors promis, je vais répondre à tous vos messages, même sur YouTube, j'ai pas mal de messages que je n'ai pas pu répondre. Parce que j'essaye de répondre à chaque fois, vous prenez le temps d'écrire, alors moi je trouve que c'est normal de prendre le temps de répondre. Mais j'ai pas trop eu le temps, désolée. Mais promis, j'essaye de faire ça la semaine prochaine. La vidéo bonus, pareil, je voulais faire une vidéo pour vous montrer quelques nouveaux défis pour vous. Et quelques-uns que je vais mettre en place, mais que l'année prochaine. Mais j'ai pas eu le temps de la faire. Alors j'espère pouvoir la faire en début de semaine prochaine ou peut-être ce week-end. Voilà. Allez, on y va, on va voir ce qu'on a pu sauver cette semaine. Hop, ça, si j'en ai besoin, on va le sortir. Hop. Voilà, allez. Alors là il y a déjà marqué 9,50€ en alimentation. C'est ce que j'ai mis dans les petits défis. Et animaux 4,20€ que j'ai mis déjà dans les défis. Allez, en alimentation ça a été, on s'en est bien sorti. Il nous en reste, alors on a 25 là. Et je dois avoir pas mal de monnaie. Hop. Alors 25, 26, 27, 28, 28, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 7, 72, 29, 72. Alors 29,72 plus les 9,50 que j'ai déjà mis. On a fait une économie de 39,22 sur les 150€ que j'avais en budget. Hop, alors du coup on va mettre, on va enlever ça. 39,22. 39,22. Hop. Ensuite en divers, comme d'hab, hein, on n'a pas pris les 10€. Hop, hop. Entretien hygiène, il me reste 20€. J'avais 30€, je ne sais plus ce que j'ai fait avec. Oui, j'ai acheté de la lessive, il me semble. De la lessive et du produit, il me semble. Bref, il me reste 20€ sur les 30. Promo, il me reste les 30€. Santé, il me reste les 20€. Beauté, il me reste les 10€, mais je pense que je vais les mettre en défi. Et les animaux, hop, je vais prendre les 2 centimes. Il me reste encore 25€ et 25€. Hop. Alors là, du coup, j'avais mis 4€, mais je l'ai laissé là. 4,22€, comme j'ai enlevé 2 centimes. 4,22€. Parce que je les ai déjà mis dans les défis. Comme j'avais de la monnaie, j'ai mis. Je ne sais même pas ce que j'ai acheté. J'ai dû me tromper, c'est pas possible. Ah, si, si, parce que j'avais. Oui, oui, c'est ça. Comment ça s'appelle? J'ai cru que j'avais 30€ animaux, mais non, j'ai 40€. C'est ça, j'ai acheté le foin. Du coup, j'ai mis les 4,22€ là. Les 4,20€. Je vais y arriver. Et extra, alors il me reste. J'ai 20€. J'ai 10€ d'Atapol et 10€ d'une vente. Hop, alors ça c'est top. 20€. Hop, alors ce qui nous fait 39,22 plus 10 plus 4,22. Plus 20. On a une économie de 73,44€. C'est juste top cette semaine. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Pareil, hein, je voulais faire mon budget planner pour le mois de septembre, mais je pense pas que je vais avoir le temps de le faire. Je pense que je vais continuer avec celui-là et on en fera un nouveau pour l'année prochaine. Parce que là, honnêtement, j'essaie de tout faire en même temps et je ne vais pas y arriver.
Allez, on va remplir pour la troisième semaine déjà. Ça passe hyper vite. Allez, 150. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. Ça passe super, super vite. L'école, comme j'ai dit aux enfants, on en parlait ce matin, ça va être vite là. Hein. Alors, les petits, ça va. La petite, elle est contente. Les autres, un peu moins. Hein. Hop. En ce moment, l'alimentation, j'ai le plus grand, il est pratiquement jamais à la maison, du coup, ben, ça fait déjà un de moins. Je vous dis, il y en a un qui travaille, il mange tous les midis sur le chantier, du coup. Alors, c'est pour ça que l'alimentation, on voit beaucoup que je fais moins en grosse quantité. D'hiver, eh ben, on met les 10 euros. Hein. Hop, elle m'appelle. D'hiver. Hop. Et ben le reste, tout est ok. Ça, c'est bon. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. On va remplir ben, les défis. Enfin, je crois qu'on m'appelle au milieu de ma vidéo. Je suis perdue après. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai mon marron? Oui. Allez, 5 euros, on recommence à 0. Hein. On a été manger des pizzas, on a mangé 2-3 trucs. J'ai plus de billets de 5. Hop, on recommence à 0. Du coup, j'ai tout gommé. J'en ai un, je vais les mettre de suite. Alors, on est au mois d'août. Et on met 5 euros. On recommence à 0 pour l'année prochaine. Et les 10 euros, il m'en reste encore un peu, mais j'en ai usé pas mal pour... acheter un peu de déco pour mon salon. 10 euros dans le défi des 10 euros. Pareil, on rattaque pour l'année prochaine. Ah, j'ai pas gommé. Alors, c'est pas grave, je vais marquer août. J'ai déjà mis ceux de la semaine dernière. Parce que j'en ai deux. On va mettre 10. 10. Je vais tout... parce que j'avais pas gommé, je savais pas. Mais je pense que les 10 euros, il va plus m'en rester non plus. Je fais pas mal d'achats. Plus les vacances qui sont pas encore terminées. 780, 31 semaines, 10 euros. Hop. Hop. Défi sur 12 mois, j'ai rien mis. Alors ce que je vais mettre, je vais mettre 10 euros. Alors on va faire moins 10 euros. Hop. Il me restera non à marquer. Il reste 22 euros à mettre, c'est ça. Hop. Alors déjà on a mis 8 et on mettra... le reste plus tard. Parce que j'avais rien mis encore, mais je vais mettre au moins 10 euros. Ça, je vais le finir. Ah, j'ai plus de billets. Attendez. On va faire autrement. Comme ça, j'aurai déjà 2023 de fini. Hop. Parce que je crois que j'ai de la monnaie en plus. Voilà. Hop. Celui-ci, il manquait 13 euros. On va les mettre. Pour le mois d'août, on est ok. Hop. Ça, c'est juste top. Voilà. Le 15 août, ben, je ne vais pas le mettre maintenant. Hein. On a un peu le temps, on mettra la semaine prochaine. Ça, on va le faire après. Ça, il n'y a rien besoin. J'ai envie de mettre 10 euros dans... ici. Allez, on met 10 euros là. Attendez, hop. Attendez, je coupe et je reviens. Voilà, désolé. Alors, 8 et 2, 10. Je mets les 10 euros là. Ça, c'est fait. Du coup, là, on est à 40 euros. Je crois que je me trompe avec celui-là. Je l'ai mis là, celui-ci. Hop, on va mettre 40 euros. Il en manque 30, c'est ça? 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça. Il manque 30 euros avant la fin de l'été. Je pense que c'est quand c'est fin septembre, je crois. Oui, c'est fin septembre. Ça va le faire, je pense. Ensuite, eh ben là, ça, on a toujours 20 euros. Ben là, la carte à gratter, je n'ai pas fait. J'ai 7 euros. Là, je ne l'ai pas attaqué. Et ça, on verra plus tard. Hop. Allez, ça, c'est bon.
Et ça, c'est bon. Non, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que j'ai à mettre dans mon défi des pièces jaunes? Ça, hein, comme d'habitude, j'y mets hors caméra. Enfin, je vous dis combien j'ai. Enfin, je le note quand même sur un petit papier. Comme ça, au moins, je vous dirai à chaque fois où j'en suis. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1,30€. Est-ce que je les ai? C'est ça, 1,30€. Hop. Pareil, ça va dans ma petite tirelire. Je les mettrai après. Parce que je sais que quand je regarde la vidéo, si j'aime bien visionner la vidéo avant de la publier pour voir qu'il n'y a pas de choses qui ne vont pas. Et du coup, j'entends bien que ça vous casse les oreilles. Alors, plus 1,30€, nous sommes à 21,50 plus 1,30. Nous sommes à 22,80. Pareil, là, il faut absolument que je fasse la monnaie. Mais je ne l'ai pas fait encore. On verra. Je verrai avec mon mari s'il veut de la monnaie. Demain, il veut de la monnaie pour les distributeurs de café, des choses comme ça au boulot. Je verrai. Allez, ça c'est bon. On va faire un petit point sur les petits défis. Et après, bah, je crois qu'on sera bon. Alors, défi calendrier, on avait 6,50, mais j'ai rajouté, on a 16€ dans le défi calendrier. Hop. Alors, 16€. Je le mets là pour m'en rappeler. Voilà. Ensuite, pareil, là, c'est qu'il faut absolument que j'échange. Là, je vais échanger avec l'alimentation. Là, on était à 7,50, mais j'ai rajouté, je ne sais plus, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,70. On est à 11,70. Hop. C'est les 4 des poussières que j'ai mis. Alors là, vous avez vu, là j'ai coché 2 cases, là une case, une case, une case, et là les 3. Voilà, par contre, j'avance doucement. Hein. Les défis, en ce moment, je trouve que j'arrive moins à les remplir, mais bon. C'est pas grave, l'essentiel c'est que j'en remplis un petit peu. Et où je l'ai pas commencé. Ça sert à rien de commencer et de pas pouvoir finir déjà les autres. Je vois pas l'intérêt. Hop, bon, et ben je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je vous ai tout dit. Moi, je vais essayer absolument de vous faire cette vidéo avec les quelques défis. Ah si, oh, j'ai pas tout dit. Je voulais vous faire un petit point sur mes épargnes et j'ai fait une nouvelle enveloppe épargne. Tant qu'on y est, je vous la montre. Alors, fonds d'urgence, ça bouge pas. Secours, ça n'a pas bougé. Je crois qu'il n'y a rien qui a bougé. Il y a juste, ben là, anniversaire, ça devrait bouger. Là, il me reste 200€. C'est bien descendu. Il me reste quelques bricoles à acheter. Ramadan, ça n'a pas bougé. Garage, ça n'a pas bougé. Je me suis refait une petite enveloppe animaux. J'ai fait un petit délire avec plein de petits cochons d'Inde. Comme moi, j'ai que des cochons d'Inde. J'ai fait mon petit délire. J'adore. Et je me suis fait une petite enveloppe beauté. Alors moi, vous savez que, bon, mes ongles, hein, parce que j'ai beaucoup de messages sur ça. Moi, je les achète ou chez Action ou chez Shein. C'est avec de la colle glue, je les colle, tout simplement. Ça ne me coûte pas plus d'un... Allez, un paquet, le plus qu'ils doit me coûter, c'est un 70, ça dépend des modèles. Mais pas plus d'1,70€, en sachant que je les garde une semaine. Voilà, alors vous calculez, ça ne me fait pas grand-chose. Je les prends souvent dans l'alimentation, si j'ai de la monnaie, dans entretien hygiène, dans... Voilà, je me casse pas la tête à... Mais par contre, beauté, j'ai rarement chez le coiffeur. Je fais rarement, à part mes sourcils, mais vous savez, j'ai l'enveloppe beauté avec les 10€ par mois. Si ça me coûte 12€, pareil, les 2€, je les prends dans une enveloppe. Et là, j'avais vraiment envie de mettre un petit peu pour le coiffeur. J'y vais très rarement, mais quand je veux y aller, eh ben, ça me coûte facilement 70€ à peu près, parce que moi, c'est quelqu'un qui vient chez moi que je connais. Du coup, ça me fait 70€ avec la couleur, les mèches et la coupe. Ça va vite et bah, en général, je ne les ai pas et je suis obligée d'attendre. Alors, je vais mettre un peu là-dessus. Comme ça, c'est un jour, bah, ça me prend du jour au lendemain. Parce que moi, c'est comme ça. Du jour au lendemain, j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Et ben j'aurai un peu d'argent pour me faire déjà les cheveux. Voilà. Alors, je me suis fait beauté, si vous la voulez, hein, comme d'habitude. Ou si vous voulez aussi les animaux. Et ben vous me demandez sur Insta avec plaisir. Voilà. Voilà la nouvelle enveloppe qui aura poté. Et ça, je l'avais déjà, mais juste, voilà, j'ai bien aimé ces petits cochons d'Inde et j'avais envie. Voilà. Voilà pour ça. Bon, ben voilà, là, cette fois, j'ai fait le tour. Je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine, en début de semaine, pas le week-end, ça m'étonnerait, parce que samedi, on n'est pas là, on mange chez mon papa. Dimanche, peut-être dimanche, je vais voir. Hein. Ou si cet après-midi, j'ai le temps, je la tourne et je vous la publie en début de semaine. Bref. Pour vous montrer quelques défis, quelques nouveaux défis que moi je mettrai en place sûrement
Parce que je vais changer quelques défis. Un jour férié, je ne le ferai plus. Enfin, il y a quelques trucs qui. J'ai envie de changer. J'en ai marre de toujours les mêmes défis. Peut-être 2023, pareil, j'en mettrai un autre en place. On verra, je ne sais pas encore. Mais si vous les voulez, comme ça, il y aura des défis. Il y aura un défi où il y a trois montants différents. C'est le même défi, mais avec trois montants différents. Et il y a, je crois, trois ou autres quatre défis. Un peu long terme quand même. Ce n'est pas des défis qui se font vraiment tout de suite. Mais bon, allez, je vous ferai une vidéo. En plus, j'ai commandé des choses sur Shein, des nouveaux classeurs. J'espère pouvoir les recevoir la semaine prochaine, mais je vous montrerai ça aussi. Enfin, on verra. Voilà. Je vous dis, j'espère à lundi pour cette vidéo que je devais vous la faire cette semaine, mais honnêtement, j'ai pas pu. Mais je vais essayer de la tourner en début de semaine ou peut-être ce week-end, je sais pas. On verra. Voilà. Moi, sur ce, bah, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Bye bye.